L'essentiel dans la vie, disait Boris Vian, c'est de poser sur tout des jugements a priori. Je connais un cheikh alpestre, pour ne pas dire arabe, qui ne me dira pas le contraire, lui qui a compensé sur le banc la frénésie de transfert qu'il ne pouvait satisfaire sur le terrain, où tout le monde voit bien qu'entre Mpenza et Mrdja, il y a à peine un M de ressemblance. Les aventures du FC Constantin seraient amusantes, puisque ridicules, si cette pantomime lourde et répétitive ne cessait justement de nous masquer le terrain et le résultat anecdotique du premier match du nouvel homme de paille du Nabab du Côte du Rhône. On pourrait effectivement commenter les montées de sautiers, de chatons qui traînaient dans les 16 mètres et de cette première demi-heure d'expérimentation avant le retour de l'ancien système de jeu. On devrait surtout se réjouir du but de Yoda et espérer que la force soit encore longtemps avec lui. Cependant, tout ceci reste soumis à la parole et à la pensée de plomb de l'émir de Martigny. Il faudra plus qu'une victoire contre des juniors désargentés pour prouver la justesse du changement d'entraîneur.